Salut Mélissa, ça va bien? Oui, c'est toi? C'est toi? C'est moi que t'interview. Félicitations pour la collection. Je dois te dire que moi, j'ai toujours eu plus hâte à voir tes collections automne-hiver parce que j'aime tes tricots, parce que je trouve que c'est très Mélissa Neptune. Puis là, je dois t'avouer que j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Tu m'as fait aimer une collection Mélissa Neptune été. Oh, je suis flattée. Alors, raconte-nous un peu pour les gens qui viennent de voir le défilé à la maison. Qu'est-ce qui t'a inspiré cette saison? Qu'est-ce que tu avais envie de montrer? Qu'est-ce qui m'a inspirée, c'était vraiment la fluidité qui était la suite de la saison passée. Je me dis, écoute, la saison est tellement courte à Montréal, puis on était dans la canicule. Je suis comme, pourquoi pas vraiment offrir de la couleur, puis toujours de la fluidité, bien sûr. Pour une femme qui veut porter vraiment des vêtements d'été, dans son petit été, là, sur son petit sud, tu sais. Fait que j'ai essayé, on a trouvé des matières, puis de là, c'est découlé vraiment le look que j'adore, la fin 60, début 70, les grands palazzos, les grandes robes, puis après ça, c'est du mix and match, mais je sais pas, c'était cette inspiration dans le temps, là, de vouloir travailler la couleur. Puis j'avais l'impression aussi, tu me diras que si je me trompe, mais qu'il y avait aussi un côté très caftan marocain, le dernier look, là. Moi, j'avais vraiment l'impression de revoir l'époque d'Yves Saint-Laurent quand il vivait au Maroc. Puis c'était vraiment beau. Puis je pense que tu as réussi encore une fois à offrir des vêtements que les femmes peuvent porter. Puis à celles qui disent « Oh, c'est très transparent », qu'est-ce que tu répondrais? Ces vêtements-là sont distribués en magasin sur un petit support avec la camisole courte ou longue, dépendant du type qui va en dessous. Donc, c'est vraiment opaque. Gênez-vous pas, vous pouvez oser. Et on a vu aussi quelque chose qui, moi, j'ai trouvé très fun de voir cette saison, c'est qu'il y avait beaucoup de looks classiques, le noir et blanc, la marinière, tout ça, mais pourtant, ça ressemblait à Mélissa Neptune. Comment t'as fait pour t'approprier ces classiques-là puis les faire ressembler à toi? Bien, à chaque saison, c'est un challenge d'aller vraiment chercher les clés de notre tendance qu'on va chercher en Mélissa Neptune. Donc, le travail, je te dirais, même mon équipe trouve souvent que le work in progress, il est long. Mais tu sais, je suis comme, faut le trouver, faut pas que ça soit pareil, faut pas que ça soit différent. Mais c'est beaucoup de travail, je te dirais, justement, d'aller chercher ce qu'on connaît déjà puis de le transmettre autrement. Là, tout le monde le sait, c'est pour ça qu'on est designer aussi. Tu sais, on sketch, on redessine, on efface. Mais même souvent, il y a des pièces que je vois puis je suis pas satisfaite à 100%. Je me dis, ah, si j'avais fait ça, tu vas se retrouver probablement dans les prochaines saisons. Donc, chaque collection t'inspire aussi pour une autre collection, ce qui est quand même très, très bien. Et dernièrement, pour ceux qui ne le savent pas, tu as lancé ton site web, donc de vente en ligne. Toute cette collection-ci, on va pouvoir la retrouver une fois qu'elle va être disponible aussi sur le site. Oui, donc pour l'été 2013, on aura, dans le défilé, il y avait une partie signature, une partie de la collection prêt-à-porter. Donc, ce sera très bien séparé pour la vente en ligne, mais les deux collections vont être disponibles. Et le site web, c'est quoi? MélissaNeptune.com. Et une dernière question pour toi. Tout à l'heure, on parlait de toi avec Camille, en fait, parce que tu as commencé ta carrière, ben, en tout cas, la carrière que nous, on connaît, à la télé, dans l'émission La Collection. Puis je me demande comment toi, tu perçois ton évolution depuis l'émission et où est-ce que tu es rendue maintenant? Mais je crois d'avoir fait l'émission, ça m'a vraiment donné l'énergie pour me lancer en affaires. Tu sais, souvent dans la vie, il arrive des choses, des petites capsules, des petits moments de vie qui t'amènent ailleurs, mais ça a été une chance que j'ai eue de pouvoir faire ça. Personnellement, ça m'a apporté des choses, mais ça m'a donné aussi un coup de pied aux fesses. Me dire, écoute, tu ne chercheras pas un travail, tu vas prendre ta pause, tu vas essayer d'ouvrir ta collection, de partir ta collection. Puis ça a fonctionné, fait que je suis vraiment contente. Et puis, mais toute l'expérience que j'avais avant la collection, je dirais, m'a aidée à 80, à 100% sur le lancement de cette collection-là au départ. Parce qu'une personne qui a à chaque fois qu'une jeune personne qui me parle, qui me pose la question, je veux partir ma business, je suggère franchement, d'avoir au moins 3-4 ans d'expérience, ça, c'est sûr. Donc, je suis fière du trajet que j'ai fait, en espérant que ça va continuer encore et encore. D'ailleurs, en parlant de continuer, là, je sais que c'est une question très classique, mais qu'est-ce que tu vois pour toi dans les prochains mois, les prochaines années? Tu as lancé ta boutique en ligne, il y a plein de choses qui bougent pour toi, mais quelles sont les étapes à venir? Là, j'attends un petit bébé. Ah! Oui. Oh, félicitations! Ça non, je savais pas.
Donc, ça fait 4 mois déjà. Donc, l'accouchement est pour février. La collection d'automne va sortir avant février. Fin janvier, faut pas que le bébé sorte avant. Donc, moi, je vais prendre une petite pause de quelques mois. Mais la collection se continue. Puis par après, quand que l'énergie sera revenue, on va percer les États-Unis comme était dans les plans de la 3e année de la compagnie Mélissa Neptune. On va voir. Je te souhaite tout le bonheur du monde, autant dans le travail qu'avec le bébé qui s'en vient. Je suis vraiment contente de l'apprendre. C'est drôle à la télé, mais vraiment, je suis contente pour toi. Merci beaucoup pour ton temps.